Bij Gent komt Jurgasevic terug, maar toch bouwt Solliet het vertrouwen in doelman Frank Boeks. De schorsing van Nahayo is voorbij. Hij verdrinkt Bah naar de bank en voorin krijgt een Boyo. La même passe que sur le but. Mboyo cette fois-ci sur le poteau. Le montant gauche cette fois-ci. C'était exactement la même passe qu'il y a 3 minutes. Mboyo. Beter weten in misschien. Bal is binnen doorgestuurd. Ja, was Lewski. Geen hoekschop, wel een penalty. Kiri. Mboyo tegen Pronto. Het is 1-3. Gent heeft nog 18 minuten om er wat van te maken. Een mooi kopje. En won. Thijs. Molders. Ah, Marival. Dat is mooi. En een Boyo, niet in buitenspel met Ljubljankic. Jo komt een Boyo in hetzelfde doen, dat wordt 3-0. Wedstrijd gespeeld. Minder dan 5 minuten van het einde. Ze deden het met Ljubljankic al uitstekend. En nu ook met een Boyo. Heel snel die counter zoeken en uitspelen. Gent begint knap aan de play-offs. Bruls, STVV raakt er moeilijk uit. Bruls met tweede actie, die bal wijkt af, geen buitenspel. Nu wel van een Boyo of niet? Nee. De vlag blijft laag en de 2-0 staat op het bord na 16 minuten. Vandaag in de spits gestart van Boyo. Hier geen buitenspel van Soumahoro en dan blijft hij goed achter de bal. Correct van de assistent. En de 2-0, perfect reglementair. Ruimte op rechts bij Rafinha en ook nog Soumahoro. Zijn beste voet is linker. Soumahoro met die voorzet en ook de 5-0. Het hoefde dus niet zo nodig voor Agent in die tweede helft. En toch komt die 5e op het bord. Een Boyo. Prima afgemaakt met het hoofd. Spel, zegt Del Triere. Soumahoro. Boyo, geen buitenspel en 5-2. Nou, bij KV Mechelen keken ze naar Del Triere. Hij lacht steeds mee. Trots Solliet. Hier, gevaarlijk spel of niet? Ja, je kan het toch verfluiten. Soumahoro mocht doorgaan. En onorthodox van een Boyo Pelé. Maar hij ziet wel. Rafinha. Heel ruimte op rechts. Er zijn al 3 mensen mee. Nu wordt het een Boyo Pelé. 6-2. En dat is het eindverdict. Agent klopt KV Mechelen met 6-2. Een doelpunt de kermis. Alle Buffalo's gaan feesten het weekend in. Helemaal in de slotfase is er wel heel veel ruimte. En toch nog die klare kijk van Rafinha. Een Boyo Pelé met een prima afwerking en dolle vreugde op de bank. Thijs. Een Boyo. Weer Thijs. Op links is er Scarabot. Scarabot, die bal blijft hangen. Een Boyo, 0-2. Dan gaat het plots snel. Weer een bal die afwijkt. Via een VK-been. En dan zit het allemaal wat mee voor Agent. Uitgerekend een Boyo. Rafinha. Naar niemand. Maar daar is plots nog Christian Bruls. Met een listig balletje. En de 3 voor Agent. En Boyo maakt er 2-3 van. Ja, zo komen de goals makkelijk natuurlijk. 11 minuten ver in de tweede helft. En Agent opnieuw op voorsprong. Bal schiet daar zomaar door. Boy kan er niks mee doen. En dan prima voorzet van Bruls. Bal op het hoofd van Mbayo.
En Kaminski kwam absoluut laat. Mboyo, sur le front droit. Le centre du pied gauche de Pelé Mboyo. Et Lens Anna, beau duel qui ne parvient pas à reprendre ce ballon. Mboyo toujours au point de corner, le centre deuxième. Et Delken s'est surmonté, ses buts. On s'est regardé dans la défense de Westerlo, ils pensaient tous qu'il y avait un hors-jeu de Yacine Elganassi, mais pas du tout. Elganassi tout seul au deuxième, qui a placé cette tête sans trop de problèmes. On revoit ce débordement un peu anodin de Pelé Mboyo. Et finalement, Elganassi qui met là sans doute l'un des buts les plus faciles de sa carrière. De partout, il reste un peu plus d'une demi-heure dans cette partie. Voilà le suspense qui est relancé dans ce Westerlo-Lagantoise. Perte de balle coupable peut-être du côté des Campinois. Bon service d'Elganassi avec Mboyo qui est tout seul au deuxième poteau pour le 3-2. Le service vers Elganassi qui double son compteur but dans ce match. 2-3 à l'heure de jeu précisément pour la Gantoise. C'est assez limpide comme phase. Et les Gantois qui respirent dans cette rencontre. 2-3, il reste une demi-heure dans ce match. Ouais voilà, je pense qu'aujourd'hui on était très fatigués. On manquait un peu de jus et c'était un match difficile. Maintenant, on s'était mis à l'abri au match aller, donc c'était un peu plus facile. Ils ont ouvert le score, puis on est revenu et on gagne le match. Donc c'est bien de terminer la saison avec une victoire. L'équipe de Gand aurait pu mettre l'un ou l'autre but supplémentaire. Ouais, on aurait pu mettre plus de... On aurait pu concrétiser mieux les occasions, mais comme j'ai dit, il manquait beaucoup de fraîcheur et ça s'est ressenti à la finition. Vous marquez une nouvelle fois deux buts, ce n'est pas votre premier doublé. Et vous devenez finalement meilleur buteur de cette équipe de Gand. C'est une satisfaction personnelle, ça, j'imagine. Ouais, c'est une satisfaction, mais... Voilà, maintenant, c'est grâce au travail de toute l'équipe. Moi, je suis content d'être meilleur buteur et de marquer encore aujourd'hui. Surtout quand tu marques et que ça rapporte une victoire, ça, c'est encore mieux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc je suis content. Vous êtes l'un des hommes de cette fin de saison, sûrement. Hein. Dans les play-offs, vous avez beaucoup marqué, quasiment tout le temps titulaire. C'est une véritable progression. Ouais, moi, je suis content de la fin de saison que j'ai fait. Surtout qu'au début de saison, j'ai été blessé 2 mois et je suis content d'être revenu à ce niveau-là. Et maintenant, j'ai la confiance du coach, et ben, tant mieux pour moi. Et maintenant, les vacances méritées, vous les attendiez avec impatience. Non, on a fait une semaine en plus que les autres. Et maintenant, on va profiter des vacances et bien récupérer. Profitez-en bien, merci.